Je me souviens. On a toujours du mal à expliquer pourquoi on aime les gens. Et je crois que c'est ça la vraie définition de l'amour, c'est quand t'arrives pas à expliquer. Belle dans sa force, dans sa faiblesse, dans ses sourires. Ma mère, c'est le meilleur exemple que j'ai et que j'aurai toute ma vie, je pense. Sa détermination, son courage, ses yeux me bouleversaient. Le hammam. Ma mère nous y emmenait. Mon frère, ma sœur et moi. C'était une vraie punition. Du coup, elle nous promettait cette petite bouteille de limonade avec cette paille toute fine de couleur. Je crois que inconsciemment, si aujourd'hui j'y retourne de temps en temps, c'est pour cette bouteille de limonade. J'ai retrouvé cette photo la veille de mon départ à Oran. Je ne me souviens pas du tout que je sais, c'est que c'est une tradition à Tlemcen, où les jeunes filles de 6 ans environ se font photographier, maquiller et habiller comme de jeunes mariées.
J'ai pas énormément de souvenirs de l'Algérie. J'ai des souvenirs de moments. Où je vais, je trouve une fille comme toi. Je suis très fière de parler couramment l'arabe. C'est un pays qui m'émeut. Dès que j'ai un peu de temps, j'ai envie d'y aller. Parce que ce sont mes racines. Je ressens un besoin d'aller voir les miens. Magnifique. La ville d'Oran, je la connais pas. On me l'a plus raconté. J'y ai jamais vécu et quand j'y suis, j'ai l'impression d'être chez moi. Je me souviens, la vraie première émotion que j'ai ressentie au cinéma, c'est quand j'avais vu La Strada. Voilà un de mes plus grands souvenirs de beauté. Giulietta Masina. Et quand j'étais rentrée chez moi, j'étais allée voir ma mère et je lui avais dit: maman, j'ai vu une dame qui parlait avec ses yeux. Je voulais te dire. Je voulais te dire.